Le deuxième projet qu'on a avec Uwe Widwer, Les écrins de la colère, c'est Uwe Widwer qui nous l'a proposé quand il est venu à l'Ariana. Il a vu ces 12 vitrines de la galerie et il a souhaité nous proposer un deuxième projet qui est voisin du premier puisqu'il s'implante aussi sur le terreau d'un film de Werner Herzog, Aguirre et la colère de Dieu. Et à partir de ce film, Uwe Widwer a réalisé des plaques de verre qu'il a peintes et fait émailler. Et ces plaques de verre viennent dialoguer avec des perroquets, des oiseaux en porcelaine des collections du musée. Uwe Widwer est très intéressé par la céramique, c'est aussi ça qui nous a séduit dans cette collaboration. Il est collectionneur de céramique lui-même et il apprécie beaucoup la porcelaine de Meissen. Donc il a été séduit par ces oiseaux qui évoquent ici la jungle amazonienne, alors que dans les salons bourgeois, ça évoquait plutôt la richesse des princes et des rois. Je lui ai envoyé plusieurs listes d'objets et à partir de là, il a simplifié les choses et il a porté son choix uniquement sur les perroquets. Il a choisi tous les perroquets de la collection, pratiquement. Donc tous les perroquets sont pour une fois regroupés dans cet espace. D'accord, je vais essayer de rigoler.